Et y a un petit slime CGX, donc aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir un colis un peu spécial. Donc vous allez comprendre pourquoi les mecs. En tout cas j'espère que ça va vous plaire parce que c'est un peu différent d'habitude. Ok voilà, pour l'instant ça se passe bien. Les unboxings vous plaisent de ouf les mecs sur la chaîne, c'est un truc de malade. Proposez-moi des idées d'unboxing dans les commentaires, c'est vraiment important les gars. Si vous aimez pas ce que je fais, enfin c'est un peu nul quoi. Et mon but c'est d'ouvrir des choses que vous voulez acheter en avance et les tester juste avant vous. Ok. Déjà on a ça. J'ai un colis pour notre vidéo les mecs. Et le colis principal de la vidéo, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ça. J'en ai pris deux pour tester. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi les gars. Voilà, voilà pourquoi j'ai pris deux canettes les mecs. Ah ouais, en fait je croyais que c'était le derrière de la boîte avec le design pété, mais non là c'est le devant de la boîte. Waouh, vous allez comprendre les mecs. Du coup bah on a ici un frigo USB, on va unbox tout ça. Alors j'espère vraiment que ça va être intéressant. Ok, on va faire attention parce que s'il y a un problème, on peut le renvoyer. Je l'ai acheté sur Amazon. Hop, on va l'ouvrir. Vous êtes prêts? Et voici la bête. Putain. Allez les gars, ça c'est pour moi par contre. Et voici ce que j'ai pris. Le fameux frigo USB. On va peut-être changer la luminosité les gars. Et on va changer tout simplement avec la luminosité à fond pour voir ce que ça donne. Là c'est à fond. Là c'est déjà mieux, franchement c'est déjà mieux. Donc c'est en USB les gars. Le câble est ici, j'ai peur vraiment d'avoir pris de la merde. Ok, donc il y a un on et off directement ici je crois, à ce que j'ai compris. Ok, on va le brancher, puis on va voir ce que ça donne. Ok, ok, je vois le système. Mais à l'intérieur en fait il y a une plaque qui va faire froid tout simplement. Et ben on va tester tout simplement ça avec le coca et avec l'USB. Donc voilà, je vais le brancher les gars. Alors j'espère que ça s'est connecté. Et je sais pas si vous avez entendu les gars, mais je l'ai rapproché du micro, écoutez juste quand je mets sur on. What the fuck? Non, le pire, et le pire c'est que ça fonctionne vraiment genre. Wouah, comment je vais m'éclater en live stream. Laisse tomber gros. Je vais dégager ça. Et là en fait ça refroidit. Bah là ça doit être en train de refroidir parce que ça refroidit pas en 2 secondes je pense. Enfin normal. En tout cas on sent la ventilation. Là on sent vraiment la ventilation les gars, vraiment. Merde c'est vrai, il y a une canette à l'intérieur. Hop, j'ai enlevé la canette. Je vais juste voir en dessous comment c'est froid. Non c'est vraiment froid les mecs hein. Il y a de la condensation en dessous en fait. Enfin si vous voyez là il y a de la condensation. Je sais pas quand je vais vous montrer. Vous voyez autour de mon pouce. Quand je fais une trace avec mon pouce, vous voyez un petit peu, il y a de la condensation. Donc on va laisser ça. Donc on peut mettre qu'une canette, c'est un peu le désavantage. Mais en même temps, j'ai pas pris un modèle à... Alors, ultra cher parce que voilà quoi. Mais je pense que maintenant, je vais boire H24 des canettes. Putain. Au début, je croyais que ça allait être qu'un vieux ventilo, tu vois. Genre juste pour faire un peu de vent et dire que ça refroidit. Mais non. Genre c'est encore plus poussé que ça. Non, franchement, pour l'instant, je pense que, bah, que j'ai fait un bon achat en fait. Mettez un petit pouce bleu en attendant que ça refroidisse. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que je compte vraiment refaire ce genre de vidéo un peu what the fuck. Où est-ce que j'ouvre un peu plein de produits pour tester un petit peu avant que vous achetiez pour savoir si c'est bien ou pas, si le produit est bien. Je pense même contacter des marques pour savoir s'ils peuvent vous envoyer des produits, si je trouve des bonnes marques. Et vous dire si je vous recommande ou non. En tout cas le daily upload se passe bien même si j'ai loupé 2 jours. Mais c'est pas trop grave, ça va pour l'instant, c'est pas très grave. On va laisser un petit peu encore. Là les mecs vous pouvez bien voir les gouttes d'eau. On va laisser encore un petit peu puis bah on va tout simplement passer à la dégustation. Après voilà ils ont fait le design un petit peu en mode frigo. Et en vrai genre ça s'ouvre vraiment que là. Enfin vous pouvez voir que genre c'est pas en tirant ici mais c'est en tirant ici. Et c'est aimanté en fait. Ici il y a un petit aimant. Et du coup en fait on sent que ça referme tout seul. Enfin t'as juste à faire ça. Donc les gars ce que je suis en train de regarder, j'ai vu qu'il y avait tout simplement un ventilateur et un espèce de une sorte de refroidissement un peu comme dans les PC, enfin je sais pas si vous voyez, je pense qu'il y a du water cooling, normalement il y a du water cooling. Il existe aussi en gris un peu noir. Alors il fonctionne sur Windows XP et il y a un support en ligne, ok, bon bah super, franchement, écoute. Donc les gars j'attends 5 minutes puis on se retrouve juste après, simplement pour tester, pour voir si le coca est vraiment froid ou quoi. Vous pouvez voir avec le bouton là qu'il y a genre 3 modes, enfin un éteint, un avec un seul trait et un autre avec 2 seuls traits. Je crois que c'est pour booster, aller à fond, mais ça je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, du coup je vais lire. Bon les mecs ça a l'air pas trop mal, on va ouvrir le frigo et je vais vous dire si c'est froid ou pas. Ouais non en vrai ouais c'est grave froid, en vrai ouais. Ok donc je l'ai enfin éteint, on va ouvrir ça les mecs. En vrai, ça l'a vraiment refroidi, ouais, ça va. Mais c'est pas genre un frigo, c'est pas un réel frigo, c'est un petit truc en fait pour garder au frais. Mettez un petit like, les gars.
Franchement, essayez de me surprendre au niveau des likes, genre exploser la barre. Et si t'es pas déjà abonné, bah n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, moi je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je fais souvent des unboxings et des vidéos Minecraft. En ce moment, je fais une vidéo tous les jours à 10h. Donc si c'est pas déjà fait, regarde juste si t'es abonné. Si t'es pas abonné, bah je te souhaite la bienvenue. En tout cas, voilà. Oh putain. Donc, point final, les mecs, je vous le recommande. Si vous voulez garder vos canettes au frais, mais c'est pas non plus un truc genre extraordinaire. C'est vraiment genre. Ça refroidit, mais pas. Genre, c'est pas comme un vrai frigo en fait. C'est même si ça. Même si vraiment c'est frais quoi. Et genre, il y a eu de la condensation et tout. C'est vraiment avec un water cooling et tout. Donc, franchement, j'ai cru que ça allait être plus de la merde que ça. Donc, si vous voulez l'acheter, je le recommande tout simplement. Je l'ai eu à 20 et quelques euros sur Amazon. Je pense que je vais l'utiliser maintenant, mais encore plus l'été. Franchement, l'été, je pense que je vais tout le temps l'utiliser. Je vais tout le temps l'utiliser. Bref, c'est un bon achat, je pense. Voilà, j'espère que ça vous a vraiment plu cet unboxing. Et on se retrouve demain à 10h pour une nouvelle vidéo. Je teste après, juste maintenant. Dites-moi en commentaire si vous en voulez plus de genre de trucs comme ça. Et likez pour me le faire comprendre.